Après 47 jours, 14 heures et 47 minutes, Idexport boucle son trophée Jules Verne et passe la ligne d'arrivée à Ouessant. Regardez bien ces images. On y voit des hommes vivre l'instant présent. On y voit des hommes sincères, savoir que le tour qu'ils viennent d'achever n'est que la première étape d'une aventure qui, à coup sûr, les mènera encore bien plus loin. Cross Persen pour IDEC, et voilà, tout va bien à bord. On est content de rentrer à la maison. Ah, IDEC de Crossco, j'imagine. Bon retour. Regardez les sourires. Regardez-les ensemble. Francis, Boris, Bernard, Alex, Clément et Guénolé. Nous, on a eu l'impression qu'on était à deux doigts de réussir. On a vu qu'on était capable de le faire, donc c'est pas mal. C'était une aventure en fait. C'est l'histoire, incroyable mais vraie, de six hommes embarqués sur un trimaran géant. C'est l'histoire, incroyable mais vraie, de six hommes seulement, qui ensemble ont bouclé un contre-la-montre autour du monde, en passant par le très grand sud et les glaces comme jamais. C'est l'histoire de six hommes fantastiques. C'est l'histoire de Francis. C'est l'histoire de Bernard. C'est l'histoire de Clément. C'est l'histoire de Boris. C'est l'histoire d'Alex. C'est l'histoire de Guénolé.